pays. Et cette diaspora voudrait que les choses s'organisent et passent au niveau formel, et que de rester dans l'informel. C'est la raison pour laquelle ces assises qui prendront 2 jours sont organisées ici à Rotana Hotel à Kinshasa. Des assises qui connaîtront la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va donner tout à l'heure le coup d'envoi des 10 travaux. Le décor est donc planté ici dans la grande salle des Rotana Hotel, avec une diaspora plus que jamais mobilisée à conjuguer les efforts pour contribuer également au développement du pays, mais pas d'une façon informelle, mais plutôt d'une façon formelle. Quels sont les objectifs poursuivis? Qui en sont les participants? Voilà autant de questions que nous allons décortiquer tout à l'heure, tout au long de cette retransmission en direct. La Radio-Télévision Nationale Congolaise, comme je l'ai dit au début de l'intervention, a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous donner à quelques détails près ce qui va se passer ici au niveau de Rotana Hotel. Les invités y sont, la diaspora elle-même y est, les représentants des différents organismes y sont également. Donc le décor est planté, comme je l'ai dit, mais pour donner le coup d'envoi de ces travaux. D'un moment à l'autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va devoir arriver ici, au niveau de Rotana Hotel. Sinon, quand nous voyons le déroulé de la cérémonie, les travaux proprement dits, ou la cérémonie proprement dite, va commencer à 10h45, sauf peut-être un changement de dernière minute. Je disais que, y compris aussi, les diplomates sont invités ici, parce que là où la diaspora est disséminée à travers le monde, il y a quelques pays qui jouent également un rôle important dans les transferts, transferts d'argent. Mais ce qu'il faut dire ici, que la diaspora est multisectorielle. Vous trouvez des professeurs d'université, vous trouvez des juristes, vous trouvez des médecins, vous trouvez des ingénieurs. Avec cette diversification des différents secteurs, il est tout à fait normal que cette diaspora puisse conjuguer les efforts ensemble, se mobiliser afin de canaliser les actions menées d'une façon formelle, que de rester dans le formel. Et pour cette retransmission, très chers téléspectateurs, nous avons à nos côtés Charlotte Kabwanga pour les Tshiluba, Mami Mambouini et pour le Lingala. Alors, je disais tout à l'heure que les travaux prendront 2 jours, 2 jours de travaux sans relâche, avec une thématique aussi diversifiée. C'est le cas, par exemple, au niveau du groupe 1. On parle de quel cadre institutionnel est à améliorer et pour favoriser les retours de l'investissement de la diaspora dans les développements socio-économiques de la République démocratique du Congo. Le deuxième groupe aura comme thème quelle diaspora mettre en place entre la diaspora, quel dialogue mettre en place entre la diaspora, le secteur privé et les autorités congolaises. Et enfin, il y a un troisième groupe qui se pose la question de savoir quel mécanisme mettre en place pour la promotion des investissements et l'investissement productif des Congolais de l'étranger. Et puis un autre groupe va parler d'un atelier qui sera organisé par les représentants des bailleurs suivants pour mobiliser les ressources pour le financement des projets. Il y a par exemple la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ambassade des États-Unis au travers de l'USAID, l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassade de la Belgique, la France, l'Allemagne et du Canada. Ça, c'est les travaux qui concernent le premier jour. Aussitôt, cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, terminée,
Les participants vont se répartir en différents groupes pour développer les différents thèmes et ils vont encore se retrouver demain avec bien sûr une fourchette des recommandations qui seront faites pour mettre en application tout ce qui va se passer ici. Donc l'objectif poursuivi, c'est de ne plus travailler en ordre dispersé. La diaspora veut utiliser le secteur public, les officiels congolais, et pour canaliser les actions qu'ils mènent à travers le monde. Ma Charlotte Kabanga, vous avez la parole. Voilà des assises qui tombent à point nommé, très chers téléspectateurs, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à bras le corps ces assises parce qu'il faut ici se le dire, lui-même a passé une grande partie de sa vie à l'étranger et il faisait partie de cette diaspora. Il connaît les réalités qui prévalent au niveau de cette diaspora. Maintenant qu'il est chef de l'État, président de la République, il est tout à fait mieux placé et pour mieux canaliser les actions de cette diaspora qui, je le rappelle, qui joue un rôle très important, surtout au niveau de l'assistance des différentes familles. Au cas où il y a un problème, on a toujours fait recours aux professionnels, comme on a l'habitude de le dire. Oscar Mbal. Oui, Blaise Bokokia, c'est des assises attendues par bon nombre de Congolais, surtout ceux vivant à l'étranger. La diaspora congolaise apporte un grand plus au niveau de l'économie congolaise, un apport estimé à plus d'un milliard de dollars par an en termes de transactions au niveau des messageries financières. Ils ont des parents au pays, ils ont des oncles, des tantes, des grands-parents. Et l'argent qu'ils envoient au pays dans les différentes messageries financières, par exemple l'année 2019 à 2020, est estimé à plus d'un milliard de dollars. Donc ce sont des acteurs clés du développement de la RDC. Mais il se pose un problème au niveau de la constitution de notre pays. L'article 10 de la constitution stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Or, il y a des Congolais qui ont des parents ici, mais qui ont acquis une autre nationalité. Donc, ils sont naturalisés belges, français, américains, britanniques, mais ils voudraient continuer à contribuer justement au développement de la RDC. Que faire? Or, il y a un dispositif, une disposition de la Constitution qui dit justement que la nationalité est une et
exclusive, ça veut dire qu'on ne peut pas la partager en concurrement. Oui, si vous êtes congolais, soit vous êtes congolais, soit vous ne l'êtes pas. Or, ailleurs, il y a cette disposition qui accorde une double nationalité. Vous pouvez être belge et en même temps, vous gardez votre nationalité d'origine. C'est ça qui bloque Blaise Bokokia. Le blocage, Oscar Mba, vous pouvez peut-être avoir raison, c'est au niveau de la diplomatie peut-être. Mais ce qui est vrai, même si ces Congolais ont changé de nationalité, ils se connaissent toujours être d'origine congolaise. Hein? Et ce qui est une bonne chose, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais rompu des relations avec leurs familles qui sont restées, ils sont en République démocratique du Congo. Vous venez de le dire, plus d'un milliard de dollars par an, hein, l'apport de la diaspora congolaise au niveau de notre pays, au travers de des membres de leur famille, c'est déjà un apport considérable. Et je crois que le président de la République a tout à fait raison de venir personnellement présider ces assises pour donner une plus-value à cette diaspora et dire davantage à cette diaspora, même s'il y a une distance qui nous sépare, il y a un peu la géographie, mais il y a toujours cette proximité psychologique qui nous unit en tout temps et en toutes circonstances. Mami Mambouéni. Matondo mingi Blaise Bokokia ya so ndenge bo chikolo bana kote ya falanse tozwami awa au Rotana Hotel wapi payi likitalinene ya masolo likofungwa ma po ya bande ko babiso ba bota ma ekolo Congo démocratique ba ye ba fandi bongo obikolo bya mputu e bongo milulu mina mikokambe ma na tata mokonje ekolo Félix Antoine Tshiseke di Chulombo yende ya kokamba milulu miango eko banda lelo pe eko suka mokolo malobi ya solo bande ko biso ba mbota ma ekolo Congo démocratique ba bavandi obiko ba mputu tokobenga kabango mingi mingi ba diaspora bango pe bazali boko bato ba basengeli ko mema libanga na botongi République démocratique du Congo zambi na botali ya solo bazali ba bavandi obiko ba mputu kasi motema mwa bango ezala kase o ekolo ye bango bakunda motolo mwa bango na yango ba monoki ete ya solo esengeli na bango pe bakoka kozwa likanisi oyo bazwaki ya botomboli nkita mpe ntombwama ya République démocratique du Congo. Kati na bango ezali na ba diaspora to pe babotama ekolo Congo démocratique ba bavandi obikolo bya mputu tozali na baminganga tozali na balakisi tozali na ba ingénieur bato baike na yango bazwaki mokano ete ya solo oyoekoyeba moni ete ekolo Congo démocratique mbongwana ya solo solo eti kokota ezala ngambo ya démocratie bango mpe batisiaki bongo motema mwa bango mpe bazwaki mokano mpona nini te basengeli mpe komema libanga na ntina na botongi ekolo ya biso République démocratique ya du Congo na botalaka na mobumu emoleki mobuko to kama libwana tuku libwana zomi na mwambe kotoko kama libwana tuku libwa na tuku ibale ba monoki ete bandeko ba biso ba diaspora na misolo mimba kotindaka okati ya mabota mabango ba bazwami o mabeli ma République démocratique du Congo ekoki bongo na miliare mibale na ndambo natina ena etalisi ete bazali penda boko bato baye mpe bazali komema libanga na ntina na botongi République démocratique du Congo tala ntina bango bazwi mokano ete basengeli koya mpe kotia libanga na ntina na botomboli République démocratique du Congo ekolo ya biso zambi tozali na bato bamayele baike bango ba diaspora to mpe bambotama ya ekolo Congo démocratique baye bakenda kovanda obikolo bya bamputu si balobi ete ya solo kovanda ya bango kuna ezali kovanda po ete basusu baike moto na moko azali bongo na oyo ya likambu akendeki kofandela kuna bikolo bya mputu kasi motolo mwaye bakunda yango kati na oyo esika ndenge bazali komona euti kokota sika ministre Mokondi Jean-Michel Samalokonde yende akoti sika awa onda kwa makita ya Rotana Hotel tozali kozia na mantango moke mokambi ekolo mpe akoyingela mpo ya kokamba milulu mia bobandisi bongo masoloma na mais mazali kofungwa malelo ezali pe na ndambo ya bakambi ya mbula matari ba ministre bakisa pe mokambi ya senat bati lukwebo
yepi azami kati nesika poni nite bambotama tope bantoma ba yaya kusala musama bantoma umabiri ma République démocratique du Congo ya solo ndenge tuwe chiko ebisa na bino bande kwa bisu ya diaspora otomesala kubenga ba professionnel wele kubuzali na likambo ndakisa matanga kubenga kabango ba pro zambi batinda kamisu lupo ya kusunga ba hizi bota po na ku na makambo ma na kasi lelon bango pe mukano mabango ezali te posta ezali bango pe ba memali banga oye kotombo République démocratique ya Congo pamba te mama likambo ba koba mokoma lelon ezali te ba diaspora ya kolo Congo démocratique ba ezali pe e boko po ya ntombo ama ya ekolo ya biso pe koluka makoki na bobundi etumba na bosuki si bobola omabele ma République démocratique du Congo kati na masolo mabango bakozwa mikolo mibale bakokabwa na biteni na biteni bayibi kwa bakopesa makinisie za laongo ya watu ya mayele ba minganga bakoba pe ba ingenier po na nini te bayi bakopesa kabongo misala mya mate ya nto pe balakisi maso tokolanda bola ipenza kati na masolo moye bakoza na yango kati na oyo esika to pe na rotana hotel awizwami bongo okomine ya kombe ndenge to te hotel sabino te bakambi ambula matari basi bongo kungela misika mokonde Jean-Michel Samalokonde ya sili kokoma tozalise kozela boye ya tata mokonde kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ya kofongola milulu miye Blaise Bokoki. Vous avez parfaitement raison Omami Mamene de signaler la présence de quelques autorités ici au niveau des grandes salles de l'hôtel Rotana. En gros plan, vous avez le président de la chambre haute du Parlement, est communément appelé le Sénat, qui était déjà là et il vient d'être rejoint par le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, et d'autres membres du gouvernement hein, qui sont déjà dans la salle. Nous avions vu le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et tant d'autres membres du gouvernement qui sont déjà ici. D'un moment à l'autre, nous attendons l'arrivée du président de la République et qui fait hein, des efforts considérables, Oscar Mbalkaïge. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des facilités qui sont accordées à la diaspora. Au lieu de passer des heures et des heures au niveau des chancelleries à la recherche de visas, aujourd'hui, à partir de l'aéroport, on a son visa et on entre en République démocratique du Congo pour faire ses affaires. En tout cas, ce sont des facilités que le président de la République, il a compris que beaucoup de Congolais de la diaspora qui veulent investir au pays ont rencontré d'énormes difficultés au niveau des chancelleries, vous l'avez dit, au niveau des ambassades, au niveau de leur pays là où ils sont, leur seconde patrie là où ils ont accepté de vivre. Et le chef de l'État leur a accordé des facilités. Une fois arrivés à l'aéroport d'Ndjili, ils peuvent obtenir des visas qu'on appelle des visas aéroportuaires, dont des facilités et à moindre frais. Et vous pouvez quitter l'Allemagne, la Belgique ou les États-Unis à partir de l'aéroport d'Ndjili ou de Luano à Lubumbashi ou encore de Goma. Vous pouvez obtenir votre visa aéroportuaire et entrer facilement en RDC. Mais la diaspora estime que c'est bien, mais les chefs de l'État devaient encore aller très loin. D'ailleurs, je pense que c'est l'essence de ce forum de deux jours, forum de la diaspora congolaise, acteurs de développement et des luttes contre la pauvreté. Ça veut dire que changer, modifier cette disposition constitutionnelle aux besoins accordés à ces Congolais de la diaspora, la double nationalité, comme ça se passe sous d'autres cieux, parce que ces Congolais de la diaspora, ils ont des racines ici au pays. Leurs ancêtres, comme on dit à l'ingé, ils ont les Kambamabélé. Voilà. Joseph Oscar Mbalkaïge, il n'y a pas alors pas du tout de critères pour aimer son pays. Cette diaspora a quitté la République démocratique du Congo pour diverses raisons, soit des raisons politiques, soit des raisons de santé, soit des raisons d'études. Alors cette diaspora, même si elle est partie et qu'elle a trouvé mieux ailleurs, mais aujourd'hui, hein, ça il faut se le dire, il y a une nouvelle cartographie hein, qui se dessine en République démocratique du Congo, parce que quand vous venez à peine de parler de l'octroi de visas à partir de l'aéroport, ce qui n'était pas facile hein, il y a des années, où les gens faisaient des tours des différentes ambassades, étaient à la queue leu pour avoir un passeport. Il y a même d'autres qui n'en avaient pas. Mais c'est un processus, nous l'avions dit, c'est le premier pas qui a été franchi.
Nous espérons qu'avec la tenue de ces assises, il y aura encore d'autres pas qui seront franchis et pour que cette diaspora soit toujours en communion et créer une proximité, comme j'ai toujours dit, géographique et psychologique avec ses frères et sœurs qui sont restés en République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai est que son apport financier n'est plus à démontrer parce qu'aujourd'hui, quand il y a un cas d'œil en RDC, on fait toujours recours aux professionnels, comme nous avions l'habitude de les appeler. Les professionnels sont de cette diaspora qui envoient l'argent, soit pour enterrer, soit pour faire soigner un membre de famille. Et j'espère que tout ça, avec ces deux corps qui sont plantés, tous ces sujets seront évoqués ici. Et nous espérons qu'il y aura quelque chose de plus qui va sortir de ces assises que nous considérons très, très importantes parce qu'il y a l'implication personnelle du président de la République qui tient mordicus que cette diaspora puisse contribuer efficacement au développement économique de son pays. Blaise Bokoukia, un petit détail. J'ai partagé avec un Congolais de la diaspora qui vit à Lille, en France. Il m'a dit que tout Congolais, nous sommes tous des candidats potentiels de la diaspora. Vous avez évoqué diverses raisons qui amènent les Congolais à vivre à l'étranger, soit pour des raisons d'études, soit pour des raisons politiques, soit. Donc, chaque Congolais est un candidat potentiel de mener une vie dans la diaspora. Et alors, ça peut arriver, tout arrive à tous, comme on dit, disait un des célèbres écrivains. Il a dit, tout arrive à tous. Alors, on doit accorder absolument des facilités à ces Congolais-là qui veulent contribuer au développement de leur pays. Et d'ailleurs, quand ils se retrouvent à Kinshasa ou dans une des provinces de la RDC, ce sont des gens qui sont émus de les trouver, leur terre des ancêtres, leurs parents, leurs frères. Et partout ils sont, ils aiment suivre la télévision nationale. Ça procure une joie immense de voir ce qui se passe dans leur pays, Blaise Bokoukia. Vous avez raison. Et pour preuve, cette diaspora suit de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je vous confirme que je viens de recevoir quelques coups de fil qui viennent de l'extérieur. Ils sont en train de nous suivre. Et même dans leur maison, il y a des postes téléviseurs qui sont branchés sur la RTNC parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de critères pour aimer son pays. Et très chers téléspectateurs, pour les objectifs poursuivis par cette conférence, on a réuni les principales parties prenantes pour favoriser un environnement propice à la mobilisation et aux investissements productifs de la diaspora congolaise dans la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique de notre pays. Il faut mobiliser les gouvernements congolais autour des questions liées à l'immigration et à la diaspora congolaise, présenter l'état des lieux de l'implication de la diaspora dans le développement en RDC, mobiliser les bailleurs de fonds autour des questions de la diaspora congolaise et le désir de retour et de réintégration. Discuter du cadre institutionnel à mettre en place pour favoriser les retours et l'investissement de la diaspora dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Discuter des mécanismes de dialogue permanent à mettre en place entre la diaspora, le secteur privé, les autorités congolaises et enfin discuter des mécanismes financiers à mettre en place pour la promotion des investissements productifs des Congolais, de l'étranger. Voilà autant d'objectifs poursuivis par cette diaspora. Il y aura encore tant d'autres qui sont évoqués ici au cours de ces assises qui, je le rappelle, prendront deux jours de travaux sans relâche et qui vont certainement aboutir à des recommandations pertinentes pour renforcer encore davantage ces liens entre la République démocratique du Congo et cette main-d'œuvre, la main-d'œuvre la main-d'œuvre locale, la fuite des mains habiles, c'est ça, la fuite des mains habiles, la fuite des cerveaux. Et ces cerveaux, je crois,
Autant qu'ils ont servi à l'extérieur, autant ils veulent également, ces cerveaux veulent également rentrer au pays et promettre leur service à l'actif du peuple congolais. C'est tout à fait normal. Maman Charlotte Kabanga. Diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, très chers téléspectateurs, c'est bien le thème retenu pour ces assises des deux jours qui auront lieu ici à Rotana, hôtel situé dans la commune de la Gombe. En plus de la présidence de la République et des membres du gouvernement concernés dans la gestion de la diaspora, cette conférence de haut niveau devra connaître également la participation des responsables des agences et des systèmes des Nations Unies intervenant dans les domaines du développement, des organisations non gouvernementales internationales et nationales travaillant sur des questions de développement et de gouvernance, des secteurs privés, des organisations de la société civile travaillant dans les domaines de la gouvernance et du développement. Giscard Koussema, la diaspora veut mettre de l'ordre dans son mode de fonctionnement. Et la diaspora veut associer les officiels dans la sa contribution pour le développement économique de notre pays. C'est la raison d'être de ces assises qui prendront deux jours et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient personnellement à présider cette cérémonie. Nous l'attendons d'un moment à l'autre. Effectivement, Blaise Bokokia Sanza, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée d'ici quelques instants ici dans
dans cet amphithéâtre de l'hôtel Kin Plaza Bayrotana dans la commune de Gombe. On a souvent dit de la diaspora congolaise qu'elle est l'une des plus dynamiques, mais aussi de plus nombreuses, hein, un peu à travers le monde, Blaise Bokokia Sanza. Lorsque vous parcourez l'espace européen, l'espace Schengen, un peu les Congolais, ils sont un peu partout. Et le président de la République a toujours cherché comment impliquer cette diaspora dans cette entreprise de reconstruction de notre pays. On se rappellera que toutes les fois qu'il est à l'étranger, il ne cesse de parler avec eux, d'échanger avec eux. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a un espace de dialogue, de partage d'idées avec cette population congolaise de l'extérieur, de l'étranger. Et il y a des figures emblématiques comme on le voit ici. Lokua Kanza est ici. Ils sont venus d'un peu partout. On a vu tout à l'heure Marius Munga qui est venu des États-Unis d'Amérique. Une bonne partie sont venus de la France, de la Belgique. Ils sont venus d'un peu partout pour participer à ces deux jours de réflexion dans l'objectif de faire de cette diaspora des acteurs de développement. Et c'est un pas vers le dialogue franc entre le gouvernant et sa diaspora, parce qu'on a souvent constaté que les relations sont très tendues entre la diaspora congolaise et leur pays d'origine, les officiels particulièrement. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, est le tout premier dirigeant à avoir affronté justement cette diaspora, parce qu'il la connaît, parce qu'il a été parmi eux. Ce n'est un secret des polichinelles. Le président de la République a passé quelques années en Belgique, donc il connaît un peu la diaspora congolaise de Belgique, de France, de l'espace Schengen, de toute l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie. Et voilà qu'aujourd'hui, il a réuni tout le monde ici, au moins un échantillon représentatif ici à Rotana Hôtel, pour parler. Alors aujourd'hui, Blaise Bokokia, nos compatriotes de l'étranger vont prendre la parole ici. Ils vont devoir s'exprimer et ils s'expriment devant le président de la République. C'est un premier pas vers cette réconciliation que tout le monde a toujours souhaité de ses voeux. Donc le président de la République sera bel et bien ici à Rotana Hôtel dans la commune de Gombe pour ces deux jours de travaux autour d'un thème aussi interpellateur, la diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté. Voilà Blaise Bokokia Sanza. Merci beaucoup Giscard Koussema, très chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la télévision nationale congolaise est bel et bien ici à l'hôtel Rotana où elle couvre la retransmission en direct de cette importante cérémonie qui porte sur la diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté. La diaspora a toujours été un acteur important, nous l'avions dit au début de notre intervention, surtout l'assistance des familles qui sont restées au pays. Chaque fois quand il y a un cas de maladie, la diaspora intervient. Quand il y a un cas de décès, la diaspora intervient. Mais ce qu'il faut dire est que cette diaspora est multisectorielle. Elle vient du monde scientifique, elle vient du monde économique, elle vient du monde musical, elle vient du monde même des médias. Elle est diversifiée, cette diaspora, et chaque domaine apporte une plus-value pour la dynamique de cette diaspora. Mais ce qui est vrai est que cette diaspora ne doit plus travailler en ordre dispersé. Elle veut canaliser ses actions en associant bien sûr le gouvernement congolais pour ainsi apporter une plus-value dans le développement économique de notre pays. Zachary Baba Bassoué, qui fait également partie de cette diaspora, il est dans cette salle. Nous avions vu Marius Munga, qui est aux États-Unis. C'est un confrère journaliste qui est rentré également au pays pour justement participer
à ses assises, Marios Munga, un jeune très dynamique, nous l'avions également découvert quand le chef de l'État a séjourné dernièrement aux États-Unis. Marios Munga a pu arracher en exclusivité l'interview au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une fierté de voir un jeune confrère qui est né sous notre regard. Nous l'avions encadré, chaque fois il avait toujours besoin de conseils, mais aujourd'hui Marios Munga vole ses propres ailes, c'est une bonne chose, et il est installé aux États-Unis. Vous l'aviez découvert encore davantage au cours de l'interview que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les lui a accordé. Et il n'y a pas seulement Marios Munga, il y a également des médecins, des juristes, des enseignants, des musiciens et tant d'autres qui sont ici présents au niveau de cette salle. La Radio-Télévision Nationale Congolaise est là pour vous retransmettre en direct cette cérémonie, et l'on ne cessera jamais à se le dire, la RTNC c'est une chaîne des grands événements, et en voici un ici au niveau de l'hôtel Rotana. Les membres du gouvernement sont déjà là, les invités sont déjà là, la diaspora est déjà là. D'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici à Rotana pour donner les coups d'envoi de ces têtes de cette conférence de haut niveau, et qui prendra 2 jours. Ça commence aujourd'hui, ça va se terminer demain. Mais ce qui est vrai est qu'après la cérémonie officielle, les participants vont se regrouper en atelier. Avec des thèmes diversifiés, et ces thèmes en atelier, ces discussions en atelier, elles vont constituer des plénières pour arrêter certaines résolutions qui seront soumises à l'appréciation de la plénière avant bien sûr la cérémonie de clôture qui est prévue pour demain. C'est toujours ici à l'hôtel Rotana. Voilà, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Nyembo, qui vient d'arriver. Nous disions que Modeste Batty est déjà dans la salle, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou-Kondé, est déjà dans la salle, le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est déjà dans la salle tout à l'heure. Beaucoup de membres du corps constitué également sont dans cette salle, et nous également nous sommes dans la salle pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie. Mambi Mambouini, nous sommes et nous y serons. Matondo mingi Blaise Bokokia ya solo tozali se kokoba awa o ndako ya makita tope o Rotana hotel komine ya Gombe wapi pai milulu ya kafu kafu ezali kosalema bandeko babiso tomesana kobenga bana poto basili konia tamabele o mabele ko Congo démocratique ezali pona nini bango pe lokola bayoka kimbela eye mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ko batango insonalisi ku ya ye ete ye afongola maboko na koyamba bana mboka lokola pe bapaya bayebangi komema libanga po ya botomboli ekolo ya biso République démocratique ya Congo ebongo likambolina ebetaki motema ya bandeko babiso tomesana kobenga ba pro tope bana poto babotama ekolo Congo démocratique bayebakenda kofanda kuna obikolo bya mputu ebongo moto na moto azali na likamboli ye yakendelaka basusu pe bakendelaka koyekola basusu bakendelaka ntango mosusu kolanda bokongo banzoto ezali pe na basusu pe bakendaka tango mosusu bakimaka mambi matale bongo politiki bongo bavandaka kuna obikolo bya mputu kasi kati na bango ezali na bato baike oyo batangi pe kelasi ndakisa baminganga ba ingénieur e bato ndenge na ndenge ba enseignant to pe balakisi bazwami kuna obikolo bya mputu bongo na koyoka mbela ye balongo balaki biso tozali bambotama ekolo Congo démocratique tozali baye mitolomi ya biso mikundama o mabele ekolo Congo démocratique ebongo tokoki koumela kaka kovanda a obikolo bya mputu te kasi na oyo biso tozwi ezala ondela ya mayele mabiso totangeli kelasi esengeli komema yango pe o ekolo biso tobotama komema yango pe o mabele mamboka na tina ena
bango bazwi mokano ete bayei ya solo bayei kokanga maboko te kasi bayei na tina ete ba mbulamatari epesa mbulamatari maboko po ya likambo ditali bongo botomboli ekolo ya biso ezala onzela ya mayele maye bango bazwi kuna onzela ya makanisi lokola mpe onzela ya misolo miye bango bazali na yango na yango kati na likita liye tope masolo maye bakozwama okati ya masanga ndenge na ndenge bapepai bako fungola mayele mabango bako sangisa mayele mabango na tina na boluki biyano po ete bango pe bamema oya bango boko to pe bamema moko oyo kisala te ekolo ya biso République démocratique ya Congo ekoka kotombwa ma mama ya likambo ezali penza bakobunda etumba ya bosuki si mingi nzala topé bobola ozali kongala o mabele ma ekolo Congo démocratique ya uta omoboko toibale na zomi na libwa oyele komokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azwaka bokonzi po ya bandeko ya biso bana boto topé ba diaspora bamoraki ezalaki penza libakuli nzenga na yango na libakuli na nzenga bakokaki kolekisa yango pamba te bazwaki makanisi ya koya kati ekolo pe kosala mosala mabango na ntina na botomboli nkita pe bomengo ya République démocratique du Congo pamba te boyebi ete ekolo ya biso ezali na bomengo nzike ezala bomengo ya se ya mabele ezala bomengo ya mai etondi awa o mabele ma ekolo Congo démocratique ntina ena bana poto to pe ba professionnel bango balobi bakotikala nsima te basengeli koya o mabele ma bankoko basengeli koya bipai wapi bakunda mitolomi ya bango basengeli koya mpona komema mpe ya bango likambo to pe komema mpe ya bango mayele to pe komema mpe ya bango libanga na ntina na botongi République démocratique du Congo ndenge bozali kolanda okati ya ndako makite ya Rotana Hotel ezali na bato bayiki basili bongo kotonda ndakisa ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde elongo na mokambi ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo bakisa pe bakambi ya mbulamatari tomoni bongo ministre d'état ministre Moyangeli Mambi Mabokengi tomoni pe ministre Moyangeli Mambi Mabasoda tomoni pe ministre Moyangeli Mambi Mabasali ministre Moyangeli Mambi Mabilona Désiré Nzinga Biri Wanze yepe azwami kati na oyesika bakambi ya mbulamatari bazwami tozali se kozela boyei ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende akokamba milulu ya bofongoli likitalie ya mikolo mibale eye bana mboka ba diaspora to pe babotama ekolo Congo démocratique ya bayi bavandi obikolo bya mputu bayi baye oyo bazwi mokano ya bomemi libanga na ntina na botongi République démocratique ya Congo pamba te ekolo ya biso ezali ekolo enene ezali mboka enene oyo moto moko te akoki kotonga yango esengeli kotia maboko kosimbana kopesa na makanisi kobimisa mayele biso banso na ntina ya kotonga mboka ya biso wana ekozala po ya bolamu ya biso banso ba peuple congolais na yango kati na likitalie elike ezali ete biyano ya malamu ekobima pe ekotalisa mana miso ya bato ekobota mbuma toko oyo kozala po ya bolamu ya bana banso ya République démocratique du Congo ndenge bokomona ezala pe bantoma bayeba ya kosala mosala mwa bantoma mabele ma ekolo Congo démocratique bango pe bazwami kati ya Rotana Hotel kati na milulu miye bakisa pe babianga mibayike bakisa mpe lisusu bango moko bana poto to pe bandeko ya biso ba diaspora basilaki bongo koyingela kati na oyo esika tozali se kozela mokambi ekolo tokoyoka lelo lolenge bango moko pe bakozwa maloba bakolo ba oyo ezali makanisi mabango bakoloba oyo nini bango balingi kosala na ntina ya ntombwama ya République démocratique du Congo tokokundwela na bino ete na botali na mibu mibale tomonaki ete bandeko ya biso ba diaspora baye bavandi bikolo bya mputu oyo eleko bakotindaka misolo na mabota mabango maye bazwami kati na ekolo ya Congo démocratique totali ete na mibu mibale bandeko ya biso ba diaspora tope bana poto basili kotinda mosolo mokoki na bamiliare mibale na ndambo ya dolar ya solo ezali penza likambo ya kotala na miso kasi ezali likambo monene tomonaki ete ya solo bandeko bana bazali pe na motuya bandeko bana pe bazali baye soki bamemi pe libanga ekotombola ekolo ya biso République démocratique du Congo ekotombola ekolo ya biso Congo démocratique na ntina ena bango mei balobi
basengeli koya pona komema libanga basengeli koya pona kotombola nkita ekolo pona nini te kotombola mboka ya biso na misala ndenge na ndenge na makambo ndenge na ndenge ndenge ezali koleka omabele ma ekolo Congo démocratique wana bozali komona bakambi ya mbula matari bango bana bafandi ministre d'état ministre moyengeli mambi ma basoda ministre vice premier ministre ministre moyengeli bongo mambi ma bokengi ministre moyengeli mambi ma milona pe bakambi basusu bango bazemi kat na esika oyo tozali se kozela na mwa ministre moke mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye akokota kati na hotel Rotana hotel po ya kofongola bongo masolo maye pamba te po se aye ezali ete masolo maye mafongwama malamu na mokolo ya lelo mpe lobi nde ekosuka esuka malamu mpe biyanobi ike bibima okati ya masolo biyanobi na ekozala se mpo ya bolamu ya République démocratique du Congo, onzela ya makanisima bango, onzela ya oyonyo soba mimi po ya koti ya libanga na ntombwama ya ekolo ya biso République démocratique du Congo ya solo kati na bikitalie to pe na masolo maye pe to kolanda na nzela ya bilili ndenge na ndenge kotala misala miso miye bango bandiko ya biso ba diaspora bazali kosala baye bazali kosala na mayi matali bongo ba minganga baye bazali kosala na mayi matangi bongo balakisi baye bazali kosala na mayi tali bongo bato ba mayele ba ingénieur bato ba ike e bongo ba diaspora bazali na kati wana kasi yango lelo nde tokomona omiso tokoyoka bango moko lolenge bakoloba posa ya bango bango moko bakoloba nini oyo bango bakosala po ya komema ntombwama omabele na République démocratique du Congo wana bozali komona ezala bantoma baye bakoya kosala mosala ma bantoma omabele na ekolo Congo démocratique bango bazali kati na oyo esika bayesi mpona koyoka bana poto to pe tokobengaka bango ba pro ndenge bakoloba mpe makanisima ye bango bakopesa na ntina na komema ntombwama ya République démocratique du Congo pamba te ntombwama ekolo ya biso ezali se mokumba ya mokambi ekolo te kasi ezali mokumba oyo epesameli biso banso bana ya République démocratique du Congo biso banso tokomema oyo ezali libanga na ntina na botongi ekolo ya biso na kimia na ntina na botongi ekolo na biso na limemia po ete ekolo ya Congo démocratique etombwama ekende eboso mwana nyonso ya ekolo Congo démocratique ayeba na kosepela na bomengo oyo ezali kati ya ekolo ya ye na yango lelo tokoyoka mela bandeko ba biso ba diaspora bana poto bango oyo bamemi mpo ya kotonga ekolo Congo démocratique ya solo tozali se kozela boye ya tata mokonzi ya ekolo na mwa ntango moke ye ya kokota kati na esika ye wana po ete manso mabanda kati na milulu ya mokolo mwa lelo oyo ekofungwama lelo mpe ekosuka lobi mokolo mwa mosala minei to mpe omia zomi na mwambe solo mokambi ya sena ya ministre mokonzi Jean Michel Sama Lokonde ye asalaki kokota ye wana bozali komona onzela ya bilili tozali se kozela mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokota na mwa minite moke mpo ya kobandisi milulu ya masolo maye ya bandeko ba biso bana poto to mpe ba diaspora Blaise Bokoki. Dès là où il suit la radio-télévision nationale congolaise, nous saluons le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement qui venait de séjourner en Europe pour apporter les nouveaux narratifs justement à la diaspora congolaise. Un concept qui prend vraiment corps au jour le jour, car les gouvernements communiquent à quelques détails près et toutes les actions menées. Et il faut mettre ça à la portée de ces gouvernés. C'est le travail que Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, venait de faire tant à Paris qu'à Bruxelles et pour être en contact justement avec non seulement les officiels de ces pays respectifs, mais également avec la diaspora congolaise et parler ouvertement et franchement à cette diaspora les efforts qui sont menés au niveau du pays au travers du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Nous disions que nous saluons les porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le ministre. Giscard Koussema, d'un moment à l'autre on va lancer officiellement les travaux de ce forum qui porte sur la diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté. Les officiels, quelques-uns, sont déjà là. Et d'un moment à l'autre, le président va devoir arriver ici pour donner le go de cette cérémonie.
Et comme on les constate sur ces belles images de la RTNC, la salle est déjà à pleine, mise en place, terminée. On n'attend plus que le président de la République qui est déjà annoncé ici et qui va d'un moment à l'autre rejoindre cette assistance triée sur le volet pour ses travaux de réflexion. Après cette journée inaugurale qui sera marquée par une série de discours, les participants vont devoir travailler en petits groupes, en atelier, et les tout dans le seul objectif de voir comment la diaspora congolaise peut contribuer au développement de leur propre pays. Beaucoup d'États, Blaise Bokokia, sont appuyés sur l'expérience de leurs expatriés, de leur population vivant à l'étranger, par exemple, ramener la technologie, pour essayer un peu de redresser l'économie. Vous le savez qu'il y a un flux important d'échanges économiques, par des moyens informels, évidemment, entre la diaspora et la population restée au pays. Il y a quelques instants, on apprenait qu'il y a de milliers d'argent, par exemple, une somme importante d'argent qui vient de l'étranger pour le pays à travers la diaspora. Donc voilà, il y a tout un tas de thèmes, de sous-thèmes de réflexion pour voir comment ces Congolais qui ont choisi de s'installer dans d'autres États peuvent garder les contacts avec leur État mère et dans quelle mesure ils peuvent également contribuer à son essor. Ces Congolais qui vivent à l'étranger, Blaise Bokokia, n'ont pas perdu tous leurs droits. Voilà pourquoi, à un moment donné, une réflexion a été faite au niveau du législateur pour voir dans quelle mesure ramener ces populations, faire participer ces populations au processus électoral. Ont-ils les droits de voter leurs dirigeants, oui ou non? Tout cela, c'est résolu dans un cadre purement législatif. Donc, il va falloir revisiter nos lois pour voir quels sont les droits qui sont reconnus. Mais l'option avait déjà été élevée, Blaise, on se rappellera que l'option avait été élevée de laisser les Congolais de l'étranger voter également. Mais je pense qu'il y a eu un problème simplement matériel sur le plan du droit. Ils étaient autorisés, c'était juste. Et nous espérons qu'en 2023, vous allez devoir voter, parce que c'est un droit civique. Si cette recommandation ressort de ces travaux de Rotana Hotel, je pense que le président de la République, qui a toujours été à l'écoute de son peuple, ne manquera pas de l'intériner également, et les autres institutions qui sont représentées au sommet. Ici, on a vu le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, s'il n'est pas là, il sera représenté, le gouvernement, et voilà, ces institutions peuvent, par exemple, réactiver ces droits qui est, on les rappelle, hein, qui est reconnu aux Congolais de l'étranger de pouvoir voter, mais le reste n'était qu'une question matérielle, parce que matériel. Pourquoi? Les Congolais se retrouvent un peu partout. On les a vus en Australie. Ils sont en Europe, dans tout le pays d'Europe. Ils sont en Europe de l'Est. Ils sont même dans l'ancienne Union soviétique. J'ai été en Serbie, par exemple. J'ai vu une diaspora. Hein. Ils y sont, et en grand nombre. Ils sont un peu partout. Ils sont en Asie. La question, comment déployer des urnes au niveau de tous ces États. Donc, ce n'est qu'une question technique, mais sur le plan du droit, ces Congolais bénéficient d'un acquis. Donc, voilà un peu. Et si ça doit se faire comme cela se fait ailleurs, c'est au niveau des ambassades, mais tous les pays ne sont pas représentés chez nous. Voilà donc des difficultés logistiques, mais au moins sur le plan du droit, ils peuvent le faire. Ou peut-être ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent voyager, ils peuvent prendre des avions, rentrer au pays juste pour voter et repartir par amour pour leur propre pays. Voilà, le Premier ministre est là, le président du Sénat est là, la communication présidentielle aussi, tout comme la RTNC, Blaise Fokia. Donc, nous y sommes. Voilà, nous y sommes. C'est pour dire que tous seront témoins de ce travail de 2 jours ici à Rotana. On va écouter et la population congolaise qui bénéficie de ces beaux signaux de la RTNC va suivre de près le message de la diaspora. Et on invite également ceux qui sont très actifs, hein,
les web activistes, il y a une certaine diaspora qui est très active au niveau de réseaux sociaux, mais on voudrait bien qu'ils participent aussi à ce genre de travaux et qu'ils fassent valoir leurs revendications pour que les gouvernants qui sont ici puissent en tenir compte. Merci beaucoup Giscard Koussema. Très chers téléspectateurs, les déroulés de la cérémonie en notre possession nous font dire qu'il y aura, après l'hymne national et la lecture de l'agenda par les modérateurs, et les modérateurs chauffent changement de dernière minute, c'est bien, un confrère, Mario Sumunga, qui va faire la modération aujourd'hui devant toutes les autorités congolaises et devant la diaspora ici présente dans cette salle. Il y a Mario Sumunga qui vient des États-Unis, bien sûr. Merci beaucoup, Oscar Mbalka, et j'y aura le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa ou de son représentant. Il y aura le mot du conseiller spécial l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Il y aura le témoignage de trois responsables. On attend déjà des sirènes, c'est bien. Le motard, le cortège présidentiel qui va devoir arriver d'un moment à l'autre ici au niveau de l'hôtel Rotana, est situé dans la commune de la Gombe. On voit la salle bouger quand les chefs arrivent. Il y a toujours un dispositif sécuritaire très mobile pour avant l'entrée des chefs. Nous disions tout à l'heure qu'il y aura des témoignages de trois responsables de la diaspora sur l'intérêt de mettre en place un cadre institutionnel pour favoriser les retours de l'investissement, et pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Il y aura l'interview du chef de mission de l'Organisation internationale des migrations sous forme d'une projection, une interview qui a été enregistrée. Il y aura l'état des lieux des transferts de la diaspora dans le développement de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Il y aura le mot d'ouverture de son Excellence, Monsieur le président de la République, et ça sera la fin de la cérémonie officielle avant, bien sûr, de laisser la place aux travaux en atelier. Giscard l'a annoncé, quelques ateliers seront mis en place pour discuter justement des différents thèmes qui vont focaliser l'attention des participants à ces travaux. Le président de la République serait au niveau du rez-de-chaussée. On a entendu les sirènes de son cortège. Il va d'un moment à l'autre venir ici dans cette salle pour rejoindre d'autres officiels et qui sont déjà là. Bati Lukwebo, président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, premier ministre et chef du gouvernement, et tant d'autres grandes personnalités des officiels de ce pays qui sont déjà dans la salle d'un moment à l'autre. La cérémonie va commencer sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joseph Oscar Mbalkaïge. Blaise Bokokia Sanza, nous attendons l'arrivée, vous l'avez dit, l'entrée dans cette salle du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de qui, sous le patronage justement du chef de l'État, ce forum est organisé. Blaise, je voulais revenir sur quelque chose de très important. Oui, il y a une maison qui existe, qu'on appelle la maison des Congolais de l'étranger. Je pense que lors de ce forum, parmi les résolutions, cette maison pourrait être élevée, on pourra l'élever au rang d'une grande direction. Une grande direction, ça je tiens. Au niveau du ministère des Affaires étrangères ou une direction autonome? Au niveau du ministère des Affaires étrangères, la maison des Congolais de l'étranger pourrait être élevé au rang d'une grande direction, n'est-ce pas? Parce que c'est ça l'interface entre les Congolais de la diaspora, et les gouvernements. Il y avait même un vice-ministre qui s'occupait de Congolais de l'étranger et qui relevait du ministère des Affaires étrangères, je crois. Et à la longue, il faut peut-être aussi faire revenir ce ministère qui s'occupait des Congolais de l'étranger, parce que c'est au moins le point focal
hein, de Congolais d'étrangers au niveau du pays qui jouaient le rôle d'interface entre la diaspora et le gouvernement congolais. C'est un ministère qui jouait quand même un rôle important. Et ce ministère a déjà été occupé par une consoeur, Colette Chomba, hein, qui a terminé ses études à l'IFASIC, qui donne aussi cours à l'IFASIC. Elle doit être chef de travaux maintenant, je crois, et qui est aujourd'hui rapporteure adjointe au niveau de l'Assemblée nationale. Colette Chomba, qui nous disons bonjour, et j'espère qu'elle est en train de nous suivre. Tout naturellement, il est en train de nous suivre, Colette Chomba Tundu, qui est rapporteure adjointe à l'Assemblée nationale. Elle a été vice-ministre du Congolais de l'étranger. Donc c'était une maison pour les Congolais de l'étranger. Quand ils ont des suggestions, ils ont des propositions à faire. Ils passent au ministère. Je pense que ce sera parmi les recommandations, j'imagine, qui seront coulées à l'issue de ces forums de deux jours organisés sous le patronage du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Donc la maison des Congolais doit être redynamisée, mérite d'être ravivée pour permettre aux Congolais, s'ils ont un créneau par lequel ils doivent s'exprimer, maison des Congolais, qui aujourd'hui est presque en veilleuse, et je pense qu'avec ses travaux, elle va retrouver ses lettres de noblesse, justement. Blaise Bokokia, ses travaux tant attendus par le Congolais de la diaspora depuis plusieurs années, sont enfin arrivés sous l'impulsion du chef de l'État et président de la République. Aujourd'hui, les Congolais de l'étranger ou de la diaspora, n'est-ce pas, vont s'exprimer. Ils vont faire des propositions pour voir dans quelle mesure leur accorder des facilités. En plus des visas aéroportuaires qui leur sont accordés, une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, soit par les Beach Ngobila, soit par l'aéroport, ou soit par n'importe quelle porte d'entrée de la République, les chefs de l'État avaient autorisé qu'on puisse accorder, que la Direction générale de l'immigration, voilà, le président de la République, El Blaise Bokokia. Voilà. On attendait l'arrivée du président de la République. Voilà. Il fait son entrée à l'hôtel Rotana d'un moment à l'autre. Il va rejoindre cette grande salle de l'hôtel Rotana. C'est vraiment un labyrinthe, très chers téléspectateurs. Il faut être canalisé pour retrouver la salle. Et le protocole d'État est justement là pour l'arrivée du président de la République ici dans cette salle. Vous l'aviez vu en image. Il est déjà dans l'enceinte de l'hôtel Rotana, situé dans la commune de la Gombe. Il y a certainement quelques allées. Il va arriver ici au niveau de cette salle. Et dès qu'il est là, ça sera le coup d'envoi des travaux. Il a venu personnellement à présider ses assises. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a passé une grande partie de son temps à l'extérieur, qui faisait partie justement de cette diaspora, qui maîtrise bien cette diaspora, qui connaît bien cette diaspora, qui vivait bien dans cette diaspora. Et je crois qu'il est d'un apport considérable pour cette diaspora d'avoir l'un de leurs à devenir président de la République, quelqu'un avec qui ils ont partagé des très bons moments à l'extérieur. Mais ce qu'il faut dire ici, que le président de la République est allé à l'étranger pour des raisons politiques. Vous comprenez l'histoire de son père qui a traversé des moments très difficiles pendant la Deuxième République. Il s'était question de sauvegarder sa famille, et parmi les membres de sa famille figurait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'occupait également de la politique extérieure de son parti politique, l'UDPS. Il a eu beaucoup de contacts. C'est la raison pour laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très à l'aise quand il contacte ou il est en contact avec soit ses homologues présidents, soit quelques membres du gouvernement pays respectifs. Et voilà, il est mieux placé, ça il faut se le dire. C'est les membres du comité d'accueil, notamment le général Silvano Kasongo, qui faisait partie du comité restreint d'accueil au niveau des rez-de-chaussée pour recevoir le président de la République. Voilà une grande partie aussi de la diaspora qui était au rez-de-chaussée, qui fait son entrée ici dans la salle. Certainement que le président va rester dans une des salles avant de voir les gens qui viennent d'entrer dans la salle et s'installer, et le président viendra peut-être quelques minutes après
parce qu'il y avait une grande partie des participants qui étaient au niveau du rez-de-chaussée pour accueillir le chef de l'État, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilo, vous l'avez vu, avec cette caméra des Ado Moujangi, toute l'équipe technique a déployé le matos ici au niveau de l'hôtel Rotana, équipe de retransmission de cette importante cérémonie chapeautée par René Nguangou, le réalisateur. Nous sommes là, très chers téléspectateurs, pour vous servir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui va prendre la parole tout à l'heure pour le mot de bienvenue. Vous l'avez vu, Jean-Denis Ngobia est déjà dans la salle. Les décors plantés, les invités assis, les dispositifs sécuritaires arrêtés d'un moment à l'autre. Le garant de la nation va faire son entrée dans cette salle et ça sera les débuts de la cérémonie. Je disais tout à l'heure qu'il y aura l'agenda, la lecture de l'agenda qui sera faite par notre confrère Mario Sumunga. Il y aura le mot de bienvenue du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tiny Ngobila. Il y aura le mot du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Il y aura quelques témoignages avec trois membres de la diaspora. Il y aura l'interview du chef de mission de l'Organisation internationale des migrations, interview qui est enregistrée et on va la projeter ici dans la salle. Et il y aura l'état des lieux sur les transferts de la diaspora dans le développement en République démocratique du Congo par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. S'il n'est pas là, il sera représenté. Au moins, la diplomatie congolaise sera également dans cette salle. Mais Lutundula, à ce que je sache, sauf s'il est rentré hier, il doit présentement être, je crois, à Paris avec notre consoeur Doris Mouzo, pour des raisons d'État. Sauf s'il est rentré hier soir, mais sinon, s'il n'est pas là, il sera certainement représenté par un membre du ministère, peut-être le vice-ministre du ministère des Affaires étrangères. Et puis, comme dernière étape, ça sera le mot d'ouverture de la cérémonie par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. C'est un silence. Hein. On sent l'odeur du pouvoir, le parfum du pouvoir qui va atteindre la salle dans quelques instants. Nous sommes habitués le vice-ministre des Affaires étrangères est là. Je disais tout à l'heure que Christophe Lutundula, le chef de la diplomatie congolaise, se trouverait présentement à l'extérieur du pays pour vendre justement l'image de notre pays. Et à ses côtés, il y a une consoeur qui est là, Doris Mouzo, pour la couverture médiatique de ses activités, à qui nous saluons. Et il y a également Henri Amoury, le preneur de vue. Très chers téléspectateurs, la RTNC est mobilisée pour la retransmission directe de la table du forum sur la diaspora congolaise, acteur de développement, de lutte contre la pauvreté. Le président de la République accorde une place de choix à la diaspora. Je disais tout à l'heure qu'il a vécu avec cette diaspora, il était avec cette diaspora, il vivait avec cette diaspora. Et c'est tout à fait normal qu'il maîtrise bien cette diaspora. C'est tout à fait normal qu'il puisse accorder une place de choix à cette diaspora. Et c'est le bien fondé même de son arrivée ici et pour donner le goût des activités qui seront données dans quelques instants. Et l'RTNC est là, mobilisé pour la retransmission directe. Oscar Ball. Blaise Bokokia, vous avez dit le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une place de choix à la diaspora lors de ses récentes missions tournées à travers le pays. Il ne manque pas de rencontrer cette diaspora, de partager avec cette diaspora. Moi, j'ai personnellement participé à une des rencontres en Guinée équatoriale, à Malabo, à marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, de l'Union africaine. À l'issue des travaux, le chef de l'État... Quand vous étiez au ministère des Finances. Tout naturellement. Oui, nous avons participé à cette grande rencontre de haute portée, hein, vous savez, avec la diaspora congolaise,
les chefs de l'État les a rencontrés, il a échangé avec eux. Et chaque fois, il promettait toujours de voir dans quelle mesure organiser cette diaspora et pour qu'elle puisse contribuer efficacement au rayonnement de la République démocratique du Congo, où qu'elle se trouve. Et aux États-Unis, c'était la même chose. Aux partout, il ne manque pas de rencontrer la diaspora. Aujourd'hui, c'est un forum qui est organisé à Kinshasa et les chefs de l'État seront encore face à une brochette des représentants des Congolais de la diaspora. Hier, j'ai échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, Judée Badibanga. Qui était l'invité du journal ? Qui était l'invité du journal télévisé de 20h. Il nous a confié qu'il y a une brochette des Congolais de la diaspora qui ont été invités officiellement. Ce sont des représentants parce que les Congolais de la diaspora sont organisés. À Dubaï, ils ont leur président. Dans les Émirats arabes unis, en France, ils ont leur président. Aux États-Unis, partout à travers le monde, à leur niveau, ils sont déjà organisés. Je pense que c'est au niveau de la présidence de chaque structure à travers le monde. Ils sont aussi représentés dans la salle. Et je suis sûr et certain qu'ils vont partager leur façon de voir les choses, leur vision. Ils vont partager avec les chefs de l'État pour que, qu'ils bénéficient encore davantage de facilités. Le protocole vous demande de pouvoir mettre vos téléphones qui vous appartiennent sous vibreur. Et il est interdit par la sécurité de pouvoir prendre des images par vos téléphones. Vous voulez les images, vous allez vous adresser au service de communication, au service de la presse, de la présidence. Voilà, c'est ils vont vous fournir quelques modalités pratiques en type que vous voulez. Transmises à l'assistance, merci. Téléphone sous mode vibreur, interdiction formelle de voir le public et prendre les images au travers le mode paysage de leur téléphone. C'est tout à fait normal. Est-ce lui ou celle qui a besoin des images peut contacter le service de communication de la presse présidentielle qui n'hésiterait pas un seul instant à donner les images à celui ou à celle qui manifestait le désir. Très chers téléspectateurs, le président est dans les installations de l'hôtel Rotana, dans une des salles certainement. Les décors est planté, tout le monde est assis, les invités, les participants, d'un moment à l'autre sera le coup d'envoi de ce forum sur la diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté. Il faut se le dire, et nous l'avions dit au début de notre intervention, la diaspora est d'un apport considérable en République démocratique du Congo. Elle intervient en cas de maladie, elle envoie l'argent. En cas de décès, elle envoie l'argent pour enterrer les morts. En cas de problèmes, de difficultés financières dans les différentes familles, la diaspora toujours intervient toujours en temps réel. Et Oscar Malkaïj nous a donné ici des chiffres un peu effrayants. 1 milliard de dollars américains par an, c'est l'apport économique de la diaspora au niveau de la République démocratique du Congo. Un apport qui vient un peu d'une façon disparate, mais on voudrait que cette somme soit bien canalisée au niveau des structures étatiques. Voilà, en gros plan, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient là. Très chers téléspectateurs, tout le monde se lève debout pour acclamer l'entrée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, une expression faciale qui manifeste bien la joie du chef de l'État de retrouver cette grande famille de la diaspora et même quelques officiels congolais qui ont fait le déplacement de l'hôtel Rotana pour cette importante cérémonie. Il va prendre part... Voilà. De l'hymne national.
hymne national est terminé, le déroulé de la cérémonie avec les protocoles d'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Président du Sénat, Honorable Deuxième Vice-Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, sont réunis dans cette salle et autour de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, la diaspora congolaise dans le forum sur son engagement pour le développement et la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie, vous allez suivre le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le mot du conseil spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la pauvreté, quelques témoignages et état des lieux sur le transfert de la diaspora congolaise dans le développement de la République démocratique du Congo par le vice-ministre des Affaires étrangères. Enfin, interviendra votre discours d'ouverture de ce forum, Excellence Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la République de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Qui va prendre la parole, très chers téléspectateurs, pour souhaiter bienvenue à cette diaspora congolaise qui a toujours été efficace au niveau de l'assistance sociale auprès des différentes familles. Et Jean-Tinin Gobila. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, ayant reçu le privilège de prendre la parole à cette cérémonie du lancement officiel du forum du haut niveau sur la diaspora congolaise qui se tient ici à Kinshasa, précisément dans ces beaux cadres de Kinplaza, Rotana, qu'il me soit permis avant toute chose de m'acquitter d'un devoir fondamental, celui de reconnaître la bonté infinie de l'architecte suprême qui a ordonné par sa providence que nous soyons présents dans cette cérémonie. Dans la même suite d'idées, je ne saurais continuer mon propos sans rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son avènement à la tête de la République, entend imprimer une nouvelle dynamique pour promouvoir le développement et l'accroissement des investissements dans notre pays. En effet, comme je l'ai épinglé si haut, les présentes assises constituent une première initiative des Congolais de la diaspora engagée dans la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique. Ainsi, en ma qualité d'autorité urbaine, je souhaite aux uns et aux autres un agréable séjour dans la ville de Kinshasa, père de vos parents et ancêtres. J'en profite pour rappeler le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus à COVID-19. Revenons au forum. J'apprécie son articulation
on sait qu'il vise à créer un cadre institutionnel tendant à favoriser les retours des compatriotes de la diaspora, favoriser les dialogues multisectoriels et la promotion des investissements dans notre pays. Je considère pour ma part que la diaspora congolaise est un atout et est capable de booster l'investissement en République démocratique du Congo. Je félicite donc les organisateurs et je souhaite assiduité aux participants lors des travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, chers représentants de la diaspora, distingués invités, à vos titres, rang et qualité respectifs, la République démocratique du Congo vit un moment historique dans la mesure où le président de la République et moi-même sommes le fruit incontestable de cette diaspora. Je connais mes frères et sœurs vivant à l'étranger et j'encourage l'idée d'un annuaire des Congolais de la diaspora. Ça permet de garder un cordon ombilical entre les Congolais et la diaspora et les pays. C'est pour cette raison, dès mon avènement à la tête de la ville de Kinshasa, j'avais pris l'initiative de réunir les frères et sœurs de la diaspora et une structure nous regroupant est déjà opérationnelle. En même temps, je canalise les investissements de la diaspora vers la coordination pour la promotion des investissements et des suivis des réalisations des projets, une structure que j'ai créée à cette fin. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter la diaspora congolaise à venir investir dans la ville de Kinshasa tout en faisant confiance à la COPI-SREP qui est un cadre d'accompagnement et d'encadrement des personnes désireuses d'investir dans la ville de Kinshasa dans les limites de la loi, sans toutefois porter préjudice aux missions dévolues à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. Chères sœurs et frères de la diaspora, permettez-moi de vous avouer que la ville de Kinshasa s'ouvre à toute forme de partenariat et surtout privilégie les partenariats gagnant-gagnant en garantissant l'intérêt collectif des Kinois, tout en souhaitant, une fois de plus, la bienvenue à tous les participants à ces forums, venus de quatre coins du monde. J'ose croire que ces assises seront d'un grand apport pour la ville de Kinshasa dans la promotion effective des investissements et la réduction sensible de la pauvreté. Que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo et son président, je vous remercie. C'est pleinement raison, monsieur le gouverneur, de dire que ces assises sont d'un grand apport pour surtout notamment votre ville de Kinshasa, avec bien sûr la contribution de la diaspora. Les déroulent la cérémonie avec le protocole d'État. Monsieur le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, à prendre la parole. Pour ceux qui ont suivi la grande édition du journal télévisé de 20h, il est passé pour annoncer justement la tenue de ces assises. L'invité de 20h est là, il est le conseiller spécial du chef de l'État. La lutte contre la pauvreté, on l'écoute ce message. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représentée, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Excellences membres du gouvernement, Monsieur et Madame les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur les représentants des agences onusiennes, chers collègues conseillers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous au nom de la cellule présidentielle de lutte contre la pauvreté que je dirige
pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de réflexion consacré aux compatriotes vivant à l'étranger. Beaucoup d'entre nous avons encore en mémoire l'expression « vaincre la pauvreté ». C'était en effet le thème de campagne du candidat à président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la première présentation en octobre 2018 de son programme, une fois désigné candidat à l'élection présidentielle par l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Cette vision sera plus explicitée en octobre 2019 sur le site boisé du lac Mavalé à l'occasion du lancement par le chef de l'État du vaste programme dénommé « Programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités » PPA en sigle. Depuis son lancement, le PPA-LCPI rencontre de nombreuses contraintes et obstacles majeurs, notamment à la suite de l'apparition de la COVID-19 et la précarité des moyens de financement qui en a découlé. Ces obstacles n'ont pas permis un réel démarrage du programme, dont l'ambition ultime est de réduire la pauvreté et d'apporter aux Congolaises et Congolais de meilleures conditions de vie. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre des efforts menés pour déterminer des mécanismes et stratégies de mobilisation des ressources plus adaptées, basées sur les forces propres de notre pays et de ses citoyens, afin d'atteindre les objectifs que le PPA-LCPI s'était fixés. Il s'agit ici d'une démarche de conjonction des intelligences et de mutualisation des efforts collectifs de tous les fils et filles du Congo, de l'intérieur tout comme de la diaspora, avec l'accompagnement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des amis de la RDC et des hommes de bonne volonté. Nos attentes sont énormes, mais réalistes. Elles se basent sur le formidable potentiel dont la diaspora dispose, lequel potentiel ne demande qu'à éclore pourvu que le pays lui en facilite la tâche. Ce forum se veut un creuset de la discussion ouverte entre compatriotes, du choc des idées, je dirais du choc de nos expériences et responsabilités respectives, devrait jaillir les lumières fondatrices d'un progrès inclusif qui ne laisse les talents de personne de côté. Nos compatriotes de l'étranger impliqués directement ou indirectement à ces échanges ont ainsi l'opportunité de discuter avec les différents experts des entités étatiques, du monde économique local et de la société civile, des contraintes réelles qui inhibent l'épanouissement de leurs activités économiques, sociales et de développement. Monsieur le Président de la République, à la faveur de vos périples diplomatiques dans leur pays d'accueil, vous avez certes eu à plusieurs occasions l'opportunité de rencontrer et discuter avec nos compatriotes vivant à l'étranger sur les problématiques que je viens de brosser succinctement ci-dessus. Mais la rencontre de ce jour sur le sol de leurs ancêtres autour des questions qui les préoccupent est une grande première et une occasion longtemps attendue par ses compatriotes. Par ces mots, je vous prie de bien vouloir recevoir l'expression de notre parfaite reconnaissance. Mais cette rencontre est aussi une recommandation faisant suite à la déclaration de Maputo sur la diaspora faite en octobre dernier dans le cadre du dialogue sur l'immigration pour l'Afrique australe, MISDA en sigle, organisé à l'initiative des Nations Unies auquel la RDC a pris part. Je cite, par la présente, nous approuvons l'élaboration d'un programme régional sur l'engagement de la diaspora en Afrique australe avec pour objectif de 1. Engager efficacement la diaspora. 2. Permettre à la diaspora d'atteindre son plein potentiel dans le domaine du développement. 3. Renforcer la diaspora afin de lui permettre de faire une différence dans les pays d'origine et d'accueil en tant qu'agent de développement. Fin de citation.
Monsieur le Président de la République, honorable assistance, je ne pourrais terminer ce mot sans saluer le dynamisme de tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la tenue de ce forum et particulièrement Son Excellence Sami Adubango, le vice-ministre des Affaires étrangères, co-organisateur, mais surtout l'apport de l'Organisation internationale de migration par le Canada de son chef de mission, M. Fabien Sambusi, qui a contribué à nos réflexions voici bientôt 2 ans. L'appui technique et financier de l'OIM a été décisif pour l'organisation de ce forum, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers compatriotes, sans abuser de votre temps précieux, je souhaite à tous les participants d'agréables moments de réflexion et de discussions fructueuses. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà. Entendre parler ce conseiller spécial, il a été au four et au moulin pour l'organisation et la tenue de ce forum. À cette étape de la cérémonie des témoignages, nous allons laisser la place à M. Marius Mahungu pour les témoignages de la diaspora congolaise. M. Marius. Marius Munga, il est journaliste, il vit aux États-Unis, il venait de bénéficier d'une interview, d'arracher une interview, il faut le dire. Je m'appelle Marius Munga. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, membres du gouvernement, Honorable Président du Sénat, Honorable représentant du Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, membres du corps diplomatique en République démocratique du Congo, chers amis de la diaspora, distingués invités, toutes mes excuses parce que j'ai dû sûrement oublier dans la... soit c'est la hiérarchie qui n'a pas suivi, parce que je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Merci beaucoup. J'ai répété plusieurs fois, Excellence Monsieur le Président, pour être sûr que je pouvais dire avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup et bienvenue à ce forum Congo Diaspora et Développement. En prenant la parole ici, je me posais la question de savoir si je pouvais vraiment dire quelque chose. Nous de la diaspora avons une chance aujourd'hui extraordinaire d'avoir à la tête de notre pays quelqu'un qui vient de la diaspora. Je me demande même, Monsieur le Président, ce que nous allons dire ici, si nous devrions le dire, parce que nos problèmes, vous les connaissez, vous les avez vous-même vécus. Évidemment, nous savons que vous n'avez pas que nous à gérer, raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons encore vous rafraîchir la mémoire pour vous rappeler vos engagements. Merci, Excellence Monsieur le Président de la République. Ce forum est donc le fruit d'un partenariat entre le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation internationale pour les migrations. Congo Diaspora, c'est vrai, il y a eu avant cet événement beaucoup d'autres événements où la diaspora s'est réunie pour parler de nos problèmes. En fait, ce forum, où il devient intéressant, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que ce cadre est organisé en RDC sous le leadership des institutions de la République démocratique du Congo sur les questions de la diaspora. De ce fait, ce programme se veut un cadre fédérateur de tout ce qui a été dit jusque-là par rapport à la diaspora pour que nous puissions revenir au pays pour apporter notre pierre à l'ouvrage. Je vais donc vous inviter à suivre une vidéo qui est un résumé de nos problèmes de la diaspora qui va vous donner justement une idée et des problèmes que nous connaissons tous. Je ne sais pas si la régie est prête. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à suivre cette vidéo.
On a appris à l'extérieur à tailler l'Europe. Ce qu'il faudrait faire, c'est venir justement tailler cette Europe. La diaspora est une ressource importante pour l'essor d'un pays. Aucun pays ne s'est développé sans l'apport de sa diaspora. Et on peut commencer, nous tous, l'union fait la force. Les choses sont en train de changer, les choses ont changé. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. Parce que cela permettra d'organiser notre développement. Mettons-nous ensemble et nous réussirons ce pari. Moi, je crois qu'il est possible. La diaspora congolaise, aujourd'hui, elle fait office de la classe moyenne. Nous sommes un peuple ambitieux. Nous sommes une forte nation. Nous inspirons au développement. Cette première étape et la mise en place d'un forum est une première étape pour rétablir la confiance à travers le dialogue, ramener les personnes clés autour d'une même table. Je pense que c'est une idée géniale de la part du gouvernement de pouvoir engager la diaspora en ce qui concerne le développement du Congo. Par cet événement tant attendu, ils ont offert une occasion unique de démarrer un processus sans doute. Je pense que c'est un projet très 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 important. Très important qui va aider beaucoup, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du public congolais qui sont établis en RDC. Oui, c'est un projet très très important qu'il faut vraiment prendre à cœur. Dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Donc, améliorer les cadres institutionnels est important pour permettre aux Congolais de la diaspora d'investir dans leur pays. Ce forum ne apportera que du positif et ensemble, on se conférera des exploits et on va aller beaucoup plus loin. Si chaque diaspora, où il est, il veut s'impliquer dans des petits projets de développement, mais il le fait dans son village natal, nous venons tous de quelque part. On créerait ce qu'on appelle l'exode urbain. Parce que ça va apporter le développement. De l'extérieur, on a très peu d'informations. En tant que diaspora, si on a de l'info, généralement, elle est biaisée par le traitement d'informations que véhiculent les médias. Donc on est souvent, on n'a que des mauvaises informations. On a une image très négative de notre pays quand on est à l'étranger. Et c'est pour ça que une initiative comme un forum comme celui-ci, c'est important de pouvoir donner accès à l'information de manière officielle et en faire la promotion, parce qu'il s'agit de faire le marketing de notre pays auprès de ces filles qui sont à l'étranger. Nous sommes chacun acteur du développement du pays. Ainsi, par le partage de la connaissance, des expériences acquises à l'étranger, l'amélioration du cadre institutionnel ne sera plus un objectif difficile à réaliser. C'est la toute première fois que la diaspora congolaise soit associée activement dans une démarche de recherche de pistes de solutions aux problèmes liés à la pauvreté et au chômage. C'est dans la recherche des solutions très, très, très facile à mettre en place de l'État congolais, de manière à faciliter justement. Il fallait qu'il y ait une discussion entre nous et les autorités locales pour que nous arrivions à trouver une formule qui aiderait à faciliter l'appel d'investissement des gens de la diaspora. Nous allons terminer notre 9e congrès de l'association des amis et des anciens de la faculté de médecine, où il y avait un mot
qui ressortait depuis que cette association de médecins existe, c'est le retour au Congo. Juste après mes études, je me suis dit non, je dois rentrer au pays, on doit faire quelque chose et tout est possible. On doit vraiment faire quelque chose. Pourquoi nous rentrons chez nous et payer un visa? Même si le visa l'aéroport pour la diaspora, je demandais à un chef de l'État si on pourrait ne fût-ce que supprimer cela. À chaque fois, il y a pas mal de complications au niveau de l'aéroport. Pourquoi ne pas rêver de la suppression pure et simple du visa pour la diaspora pour commencer? Je crois que la première chose pour me permettre de revenir ici et de rester en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un séjour permanent qui me permettrait d'être ici et de lancer mes activités sans avoir plus de temps à me tracasser sur la question de mon séjour. J'espérais par exemple la création d'une agence pour la diaspora. Il y a des endroits où les natifs d'ici peuvent faire désirer avoir les documents. Une personne de la diaspora fera 3 mois, 4 mois. Donc on a un bureau qui va accueillir ou une institution qui accueille la diaspora et les informe et les accompagne. Du point de vue juridique, quand on va dans certains bureaux, il y a certains, vous exhibez votre passeport étranger, il y a ceci, il y a cela qu'on vous demande, demande même avoir un permis de travail. La RDC devra se pencher sur le cadre légal permettant d'améliorer le climat de la vie. Par exemple, la loi sur la sous-traitance qui donne l'exclusivité aux Congolais, mais qui reste partiellement appliquée à ces jours. Il est temps que nous mettions à profit le réservoir d'idées, de propositions que nous avons à travers les Congolais de la diaspora. Nous qui sommes de la diaspora, nous avons deux engagements. Là où nous sommes actuellement et là où nous voulons être ici en RDC. Bien sûr, l'ancienne entreprise est une activité très très risquée. Il y a beaucoup de challenges. Il faut qu'il y ait des supports qui viennent du gouvernement, qui nous permettraient à nous lancer sans pour autant avoir beaucoup trop de défis. Il y a aussi un fonds, parce qu'il y a ceux de la diaspora qui sont là, mais qui n'ont pas le capital pour démarrer leur projet. Que nous puissions aussi avoir un support financier, qu'on puisse aussi avoir accès au crédit au niveau des banques. Je pense que ce forum sera le lieu et l'endroit où on mettra un mécanisme de facilitation au retour et à l'investissement de la diaspora au pays. Et nous espérons qu'à la fin de ce forum, il y aura des décisions concrètes qui iront dans le sens pour faciliter l'investissement de la diaspora et la porte de la diaspora pour pousser le pays vers l'avant. Quand nous sommes à l'étranger, nous pensons à notre pays, à nos familles. N'oubliez pas que nous sommes le premier pourvoyeur de finances dans nos familles respectives. La diaspora congolaise a de l'expertise, de l'expérience et parfois le financement assez pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le potentiel est là. Le pays a un grand potentiel et que celui qui a vraiment un don ou qui a le sang de la diaspora qui vienne. Pour ceux qui ont déjà assez d'expérience, je pense qu'il est bon de revenir ici. La diaspora, c'est l'espoir du Congo. Il en va de l'économie du pays, de sa stabilité, mais aussi de la pérennité des générations à venir. Ces Congolais-là sont bien formés dans les grandes écoles et le pays en a besoin pour ensemble mettre les mains ensemble pour travailler au développement de la RDC. On est toujours mieux chez soi, amener des connaissances c'est bien, et il faut rentrer au pays pour transformer aussi quelque chose que tu peux faire localement. On a tellement appris en étant à l'extérieur du pays, on a tellement appris, on a été exposé au monde. Avec tout ce savoir-faire, on devrait se dire ben, qu'est-ce que nous aujourd'hui on préfère pour la RDC. Le Congo a besoin de nous. Qu'importe la raison pour laquelle vous êtes parti, nous avons un pays. C'est le plus beau dans le monde. La responsabilité nous incombe, nous diaspora, nous Congolais. I am Congo, you are Congo, and collectively we are Congo. Mmh.
Merci beaucoup. Donc ça, c'était un résumé pour vous donner une idée de ce que la diaspora veut faire. Donc le mot-clé, quand j'ai suivi toutes les vidéos qui sont passées, je sens que c'est vrai qu'il y a des demandes, mais il y a énormément cette volonté que nous voulons venir faire des choses chez nous. Autre chose, c'est que si vous doutez encore de ce que la diaspora peut faire, puisque nous le faisons à l'extérieur, et pour cela, nous avons pris un exemple. C'est une dame, elle est congolaise d'origine, c'est pour la première fois, pour ceux qui connaissent l'Écosse, qu'une personne de couleur, de surcroît une dame, et congolaise devienne premier recteur de l'université d'Édimbourg. Elle s'appelle Deborah Kayembe. Je vous invite à la découvrir. Mon nom est Deborah Kayembe. Je suis rectrice à l'université d'Édimbourg en Écosse, au Royaume-Uni. Je vous remercie de tout cœur pour votre invitation de prendre part à ces assises tant importantes pour le développement et la lutte contre la pauvreté en RDC. J'aurais bien voulu prendre personnellement part à ces assises. Malheureusement, le contexte actuel ne me permet pas d'effectuer le voyage. Car cela n'y tienne, je tenais à préparer cet enregistrement d'abord pour remercier M. Judé Badibanga pour son invitation, ainsi que pour partager ma petite contribution à ce forum. Faire face à la pauvreté est une cause noble. Cela nous permet de combattre les inégalités dans notre société et réduire les gaps qui affectent le marché de l'emploi. Quant à la diaspora congolaise, qui est très impressionnante à travers le monde, il est peut-être temps que le gouvernement congolais crée un cadre de collaboration étroite avec ceux qui ont choisi d'évoluer à l'étranger. Mais le parchemin le plus important dans cette démarche serait le maintien de la paix et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires tout privées que publiques dans toute l'étendue du territoire. Puis-je y ajouter le changement de comportement autour de la gestion de la chose publique en exerçant la bonne conscience ainsi que la mise en valeur des vertus humaines. Je vous souhaite donc un très bon forum et plein succès à ces assises. J'espère que je serai en mesure de visiter la République démocratique du Congo dans un prochain avenir après 17 ans d'absence continue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que la paix demeure à vous tous. Merci beaucoup. Madame Deborah Kayembe, notre fierté. Nous allons clôturer parce que je n'ai plus que 2 jours dans mon propre pays. Et je dois retourner, Excellence Monsieur le Président. J'aurais voulu rester encore longtemps. Et nous espérons vraiment que vous aurez entendu nos besoins et que nous pourrions revenir de temps en temps pour apporter notre pierre à l'ouvrage. Je vais donc finir en invitant M. Fabien Samboussi, chef de mission de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, pour nous parler de l'expérience des autres diasporas dans différents pays, notamment en Afrique. M. Samboussi, merci encore et au revoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, ministres, membres du gouvernement, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représentée, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa,
cher conseiller spécial du président en matière de lutte contre la pauvreté, chers membres du corps diplomatique, chers représentants de la diaspora, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour le lancement du forum ayant pour thème la diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté. Je tiens à exprimer ma gratitude à Son Excellence le Président de la République pour son implication personnelle et son soutien, et souhaite remercier grandement le conseiller spécial du Président en matière de lutte contre la pauvreté et Son Excellence le Vice-ministre des Affaires étrangères pour leur détermination et leur rôle catalytique et fédérateur dans l'organisation de ce forum. Le 21e siècle est le siècle de la mobilité humaine et des migrations. Il est estimé qu'il y a actuellement au monde plus de 232 millions de migrants internationaux et quelques 740 millions de migrants internes. Cela signifie que pour une personne sur sept sur la planète est un migrant et des milliards d'autres sont touchés par le fait que des migrants migrent. Le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 reconnaît que la migration est un puissant moteur de développement durable pour les migrants, mais également pour leur communauté. Elle apporte des avantages significatifs sous forme de compétences, de renforcement de main-d'œuvre, d'investissement et de diversité culturelle et contribue à améliorer la vie des communautés dans leur pays d'origine grâce au transfert de compétences et de ressources financières. Les avantages de la migration ne doivent pas être considérés uniquement du point de vue de ce que les migrants peuvent apporter à un territoire donné. La relation entre migration et développement est beaucoup plus complexe et dépend de paramètres politiques, sociaux et économiques, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Si la migration est mal gouvernée, elle peut également avoir un impact négatif sur le développement, sur les migrants et sur les communautés. Comme indiqué dans le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, adopté par les États membres des Nations Unies en 2018 à Marrakech, la migration est une réalité multidimensionnelle qui ne peut être traitée par un seul secteur politique ou gouvernemental. L'OIM applique donc une approche intergouvernementale, interministérielle et intersociétale de la gouvernance des migrations, en s'efforçant de garantir que la migration et les besoins des migrants sont pris en compte dans tous les domaines politiques, lois et réglementations, de la santé à l'éducation, sans oublier le commerce, les politiques fiscales et bien d'autres. Sans aller en détail sur le pacte mondial pour une migration sûre et ordonnée et régulière, je souhaiterais néanmoins mentionner deux objectifs. L'objectif 19. Nous nous engageons à donner aux migrants et aux diasporas les moyens de renforcer leur contribution au développement ainsi qu'à tirer parti des avantages que présentent les migrations pour le développement durable et réaffirmons que les migrations réouvrent des réalités multiples qui revêtent une grande importance pour le développement durable des pays d'origine, de transit et de destination. Je souhaiterais également rappeler l'objectif 20. Nous nous engageons à rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux en continuant d'établir des cadres normatifs et réglementaires qui favorisent la concurrence, la réglementation et l'innovation sur les marchés des envois de fonds et en élaborant des programmes et des instruments qui favorisent l'inclusion financière des migrants et de leurs familles tout en tenant compte de la problématique femmes-hommes. Nous nous engageons en outre à tirer le meilleur parti des transformations qu'occasionnent les envois de fonds sur le bien-être des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que sur le développement durable des pays, tout en ayant à l'esprit que les envois de fonds constituent une importante source de capitaux privés et ne sauraient être assimilés à d'autres flux financiers internationaux comme les investissements étrangers directs, l'aide publique au développement et les autres sources publiques de financement au développement. La diaspora comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est avant tout un capital humain et social qui peut être décrit comme les ressources humaines que les membres de la diaspora constituent à travers leurs compétences et leurs connaissances et les réseaux étendus qu'ils entretiennent. Les compétences accumulées par les membres de la diaspora sont inestimables en termes de développement pour une variété de secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ou les nouvelles technologies. Les réseaux transnationaux qu'ils entretiennent sont essentiels pour faciliter les flux plus ouverts d'échanges, d'investissements, de compétences et de connaissances et reposent sur les relations avec des familles, des amis, des collègues, des associations, des communautés. La diaspora, c'est également un capital culturel qui est l'arrière-plan riche et diversifié que les communautés transnationales apportent aux sociétés, des sociétés dans lesquelles elles résident
et l'acquisition de nouvelles valeurs et idées qui constituent leur identité en constante évolution. Le capital culturel contribue non seulement à créer des sociétés diversifiées, plus dynamiques et innovantes, mais améliore également les relations entre les pays. Les idées et les différentes constructions sociales que possèdent les membres de la diaspora peuvent briser les barrières entre les différents groupes et contribuer à une plus grande équité entre les sexes, à des efforts de consolidation de la paix et à une participation accrue au processus politique dans les deux pays où les communautés résident et sont originaires. La diaspora, c'est aussi et surtout un capital économique qui n'est pas seulement représenté par les envois de fonds et l'épargne, qui constitue une fraction du flux total des capitaux privés. Il comprend également les investissements directs réalisés par les membres de la diaspora dans les activités commerciales. Les membres des communautés de la diaspora sont souvent dans une position privilégiée pour profiter des nouvelles opportunités économiques dans les pays où ils résident et sont originaires, et ils sont plus disposés à investir en raison de leurs liens personnels. L'ampleur des envois de fonds des migrants est à la fois monétaire et sociaux, illustre l'importance de la migration pour le développement. Près de 500 milliards de dollars américains sont allés aux pays en développement en 2020 selon une estimation de base. C'est trois fois le montant de l'aide publique au développement et c'est largement supérieur au produit intérieur brut de la majorité des pays. Les envois de fonds aident les gens à payer pour la nourriture, le logement, l'éducation, les soins de santé et impactent les pays au niveau macroéconomique.